Salut tout le monde, c'est MacLeon85. On se retrouve juste après la vidéo, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc j'ai monté l'ascenseur sans faire exprès. Donc j'ai quitté l'épisode très rapidement pour vous retrouver tout de suite ici pour pas gâcher le plaisir. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va partir pour l'arène de Rivamar. Mais pour cela, il faut que je pousse notre cher champion d'arène qui est ici à venir. De plus, on commencera peut-être un peu le chenal 223, peut-être, je crois que c'est... Je crois que c'est chenal 223, hein. Vérification, toujours une petite vérification, ça fait pas mal. Hop là. Ouais, bien joué, parce que route 222, c'est toujours à la continuité de la route. 224, chenal 225, c'est là. Ouais, 225, 126, 128, 227, d'ailleurs. Hop là, 229, et voilà, donc ce sera là-bas qu'on finira notre quête. Hein. Mais on n'y est pas rendu du tout, je vais vite. Donc voilà, présentation des Pokémon où je suis allé un peu rapidement dessus. Ok, il est 37, ok. À 19h, j'arrête. Voilà, donc j'ai rien touché, hein. Je trouve qu'ils sont très bien montés. Les Pokémon importants pour l'arène aujourd'hui seront Torterra, Garmache et Lucario, peut-être un peu. Galoppa aussi pourra servir. Luxray, si, il servira aussi. Et Torraptor, mais pas du tout, parce que c'est pas une bonne idée de le lancer dans cette arène. Voici donc le lanceur qui avait conquis l'arène de Rivamar. J'ai pris ma décision. Si je ne dois pas facilement, je me lance dans les Pokémon. J'ai fini la rénovation de l'arène, donc plus rien ne m'oblige à rester ici. Et par-dessus tout, je vais retrouver le plaisir de combattre. Je suis champion d'arène le plus fort de Sinnoh, alors prépare-toi à en prendre plein la vue. D'accord, bon, j'ai même pas besoin d'y parler. Regardez-moi ça. Normalement, il n'y a pas de brouillard ici. C'est dans Perle alors. Voilà, donc ceci est la ligue Pokémon. Donc si vous regardez bien, il y a... j'ai juste de l'apercevoir. Hein. Il y a 5 tours, donc je pense que ça correspond au, voilà, aux 5 personnes que je devrais combattre. Donc, donc le conseil 4, donc les petits tours, le tour de derrière, ça doit être le champion de Pokémon. Je ne sais pas si c'est ça. Si c'est ça, vous pourrez le mettre par commentaire, enfin voilà, vous me dites que c'est, ou à moins que ça correspond à rien du tout, hein. C'est juste pour faire joli. Et voilà, moi je pense à ça, vous pouvez penser à ce que vous voulez, c'est votre problème. Allez go. Parti pour l'arène Rivamar, les Pokémon ont été guéris avant. Et voilà quoi, rien d'autre à dire. Oh, je bug. Et l'artiste, ça y est, il est revenu. Il a plutôt l'air de bonne humeur. Je crois qu'il a tout de suite vu ta valeur. Il doit être impatient d'être affronté. Tu sais ce que tu dois faire, l'artiste. Mets le feu à l'arène avec des techniques en embrasée. Mets en lui la flamme du combat. Allez, je te laisse ta mission. On se voit les Pokémon. Parce qu'en fait, voilà, il parle toujours de flamme. Pourquoi? Parce que je pense que vous imaginez bien de vue de sa couleur déjà. Il est de type. Ces Pokémon sont de type feu, malheureusement. J'ai envie de faire quelque chose. Torterra, ça sera pour après. Eh bien moi je dis c'est parti pour l'arène, go! Le dresseur MacLeon se lance dans la dernière arène, dans la dernière étape de son aventure. Salut, comment ça va, futur maître? Laisse-moi voir ton trucs. 1, 2, 3. Wow, j'ai déjà 7, ça veut dire que si tu veux, tu pourras te lancer par Man. Ça veut dire aussi que le conseil que je vais te donner sera le dernier. Écoute bien, jeune dresseur. Le champion de cette arène est un expert de type électrique. Je n'en dirai pas plus à toi, Jay. D'accord, merci beaucoup pour ce conseil qui m'a fait énormément plaisir. Donc je connais à peu près le truc. C'est parti, premier combat de l'arène, go! Là, vous êtes obligé de tous de passer par tous les combats, par contre. Hein. Les arènes, au fur et à mesure, vous êtes obligé de passer par tous. Hein. Niveau... Parfait, 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 parfait! Je suis très bien placé. Ok, on est parti pour un escalier en un tunnel. Je suis sûr qu'il a mis dans un tout baiser, un tout gracro fatal. Waouh! Assez puissant, hein. C'est pas une morsure banale, hein. Wouh, yeah! Par contre, vu le niveau qui. Ça suffira pas. Oh punaise. Mais fumé mille, mais je gagne rien avec Garmage. Hein. Bon, par contre, je l'ai bien pillé la meuf, hein, parce que vu ce qu'il y reste. La pauvre. Allez, pour l'instant, pas de blessés. Je continue comme ça. Hop là. En fait, j'ai fait ça parce que ici avant c'était remonté. Hein.
Engrenage. Alors lui, je me souviens très bien de son type de Pokémon. Pour ça que je change. Celui-là, il n'a pas un type... Oh, attendez. Je suis exprès de mettre hors terrain. Celui-là, pour ça, pour apprendre les meilleures techniques de combat. Malgré que ce soit un élève, hein, c'est pas un PL. Ouais, c'est ça, Monsieur Mime. Ah non, Magneto. Normalement. Je crois pas qu'il a lévitation encore. Je tente. Oh, punaise, chien. Non, il a pas lévitation. C'est parfait, ça me permet de lui balancer des dégâts. D'ailleurs, c'est complètement débile. Non, c'est Magneto qui l'a. Magneto, lui, je sais même plus ce qu'il a. Enfin bon, voilà. De vitesse plus aura servi strictement à rien. Tu viens de perdre un truc pour rien. Et ni rien. Et ça aurait suffi. Voilà. Ok. Alors attendez, je vérifie un truc dans mes... Ok, parfait, ça fait que 5 minutes. On commence tranquillou. Alors faire objectif qui augmente la défense, qui monte l'attaque. La défense, la vitesse, finesse, y'a pas un truc qui permet d'augmenter la... Non, y'a pas. C'est quoi ça, PP plus? Ça c'est bien ça. Les PV, j'en ai deux en plus. Ça, j'utilise très rarement, mais ça peut servir à fond. Faut que j'utilise plus souvent. Hein. En plus, j'en ai deux, j'en utilise. Je suis un fou. Je crois que Torterra, ça lui fera pas de mal. Et du fer aussi pour... Parce que c'est par rapport au PV que je fais ça. Hein. Pour ça. C'est pour cela. Voilà. Vous voyez, l'arène est très simple, hein. Mais par contre, en fait, c'est les combats en fait, hein, qui sont assez compliqués. Enfin, elle est très simple, c'est juste que je me souviens très bien qu'il faut faire bouger les trucs. Et sinon, je m'en souviens pas. Je suis obligé de changer de Pokémon. Ah, pas grave, c'est pas ça. Toi, t'es mort. En plus, je peux pas me lancer l'attaque de type éclair. De toute façon, contre les types plantes, c'est pas puissant, pas. Parfait, un plus joli hausse, ça c'est bon, ça n'empêche. Changement de Pokémon, Carmage, Isoturl. Faites que ça marche, faut que ça soit bon. J'ai rien pour monter la précision, ah ça me fait chier. Parfait. Attention. Yes. Est-ce que je prends risque? Non, je prends pas risque. Je prends pas risque parce que là, là, ça fera pas l'affaire. Donc voilà. Je suis très content. J'ai pas fait exprès. Oh non, mais si, j'étais fait exprès, bien sûr. J'ai que de la chance, dites-moi. Attention. Yes, évolution. Et voilà. Tiens, Shacklock. Bienvenue. Yes, je suis trop content. Et une attaque pour faire plaisir. Alors là... merde. Alors là, il y a un problème qui se pose. Ah, Dracométeur. J'oublie parce que là, ça sert strictement à rien, Dracométeur. Comme ça, Carmage, là, il a 4 types. Alors là, ça va faire rien. Le problème, c'est que ce sont toutes des attaques physiques. C'est ça qui me gêne en fait. C'est que si on baisse son attaque là, par contre, là, ça risque d'être extrêmement compliqué. Mais ce n'est pas grave. Alors lui. Lui qui a un Pikachu, je pense qu'il va avoir des Pikachu. Allez hop, le Lucario. Hein, je suis un fou. Voyons, on avance doucement. Ça fait déjà. Waouh! Ça fait presque 10 minutes, même pas 10 minutes. Donc voilà, donc ça va faire 7 minutes peut-être que je suis dans l'arène. C'est parfait tout ça, c'est parfait.
Si vous demandez comment j'ai fait pour le finir, enfin oui, faut déjà être un peu bête. Hein. Et je pense que c'est logique vu son costume, je pense qu'on peut deviner un peu le petit de Pokémon qu'il aura sur lui. C'est tellement puissant. Ouais, c'est ça, donner mon XP. Putain, Pikachu c'est d'un rien du tout. Il est défilé en plus. Waouh. Ça va, on se demande bien ce qu'il fait le soir avec. Oh pardon. Je suis pas allé jusqu'au bout des choses. J'aurais pu. C'est tous les mêmes, juste un aura sphère et ça suffit pour tout tuer, mon petit gars. Alors pour mon Lucario, j'ai toujours regardé dans cela, mais ça va partir parce que j'ai plus que close combat en attaque physique. Hein. Puisque j'ai oublié Forte Paume qui est maintenant une attaque, voilà. Oh, en plus, allez, au moins ça va me servir à... Et tu me fais perdre du temps, bah, ben, ça je suis pas content. Voilà, je vous retrouve en haut, sur l'écran du haut. Il est encore parti en bas, j'ai... Voilà. Et hop, yes. Aspect 2, la fermeté niveau 48. Chacun son tour, ne vous inquiétez pas. Torterra, tu reprends ta place. Alors là, c'est magnifique comme équipe. Ils sont tous à la dernière évolution. Plus j'ai que deux Pokémon à... de stats d'évolution. Sauvegarde. Obligatoire. Ouh, 166 Pokémon. Ah, c'est le Karchak Rockon. Ça m'a rajouté un. Presque 30 heures de jeu. Alors, celui-là, je vais le faire tout de suite. Hein. Merde. Celui-là, je l'ai fait tout de suite, comme ça, ça me fait perdre moins de temps. Ouais, j'aurais pas le temps de commencer le canal en fait. Hein. Attendez. Oh tout le monde, désolé. C'est bon. Alors là, on va retenter. Alors là, il a tout de suite compris que je suis dans la merde, alors je l'attaque. C'est le test, hein, le premier test pour voir si séisme sera assez puissant sur un Raichu déjà de BL, BL on va dire, si c'est faux. Je coupe le micro. Donc. Ouais c'est bon, ouais, bah en fait c'est parfait, hein. Je crois qu'il n'y a pas eu de coup critique. Hop là. En fait ouais, cet épisode là ce sera que l'arène. Hein. J'irai pas plus loin, on va pas s'embêter. Donc voilà, déjà ça fait un combat en moins à faire. C'est un gain de temps, c'est tout. J'ai toujours ça. Hop là. Voilà. Voilà. Pour l'instant, sérieusement, je me demande si je vais vraiment passer, retourner au... À la... J'ai perdu le nom. Au centre Pokémon. Si, si, je vais retourner quand même parce que les PP ça baisse. Et par contre, oula, il a un coup de malade, mon Pokémon. Vous allez voir, hein, c'est un coup, mais c'est de malade. Regardez-moi ça. Je suis remusclé, mon Pokémon. Parfait, ça suffit, ça suffit. Faut bien que c'est un top dresseur. Je vais tester aussi. Ceci, c'est parfait. Niveau dessus en plus, c'est une aile. Ouais, il va falloir que je passe au final. Parce que vu que quand mes pépés ils partent. Waouh, ça sert strictement à rien ton truc. Alors là, par contre, j'ai peur de me prendre statique dans la face, en pleine face là. Sans coup critique, c'est parfait. Par contre, ça doucement. Je vais juste vérifier. Hop là, alors, je pourrais garder Karchak Rock maintenant qu'il a ma chouille. C'est lui qui a mes semis en fait. Il en reste plus qu'un après celui-là. Il a juste un monsieur mime lui. Celui-là, je vous le fais quand vous voulez. Ah non, pas qu'un. Ah si, il a collé. C'est pas lui qui a Monsieur Mime. J'étais sûr qu'il y avait un Monsieur Mime ici. Eh ben voilà, c'est peut-être pas dans cette version, c'est tout. On s'entraîne parce qu'il avait Flash. Et ça me faisait baisser ma...
ma précision et j'arrivais plus à l'attaquer au final. Et puis en même temps au début j'étais qu'un novice donc je ne connaissais pas les faiblesses. Ouais c'est, non c'est pas lui, c'est pas dans cette version. Si si, il va falloir passer là, j'ai plus que 4 pp maintenant après cette attaque. Ah. J'en ai essayé 173 pv, vous avez vu, il y en a plus que Torterra qui a un niveau de plus. J'ai rien gagné. 8 points d'expérience et voilà. Et je pense qu'il a besoin de 10 000. Hein. Peut-être pas. Oh si, 10 000, 10 000 je pense. J'ai pas envie de vérifier. Je peux passer. Ah oui, j'avais les boules. J'ai pas envie de me prendre des confusions. C'est le dernier dresseur. Ensuite, après l'avoir combattu, je vous retrouve devant le champion d'arène. Et on récupérera la dernière capsule secrète. On la mettra sur Musteflot. Et on se retrouvera. Et voilà. Non, non, j'ai trop vite là, j'ai trop vite. Je te dis tout ce que je vais faire. Voilà, dans cette arène, il n'y a pas beaucoup de top dresseurs. Hein. Il n'y en a que deux. Contrairement à ce que je pensais. Mais bon, voilà, quand même, les autres, ils sont assez HL. Hein. Par contre, ils sont le même Pokémon. Hein. Par contre, je trouve que depuis qu'il a évolué en Karchakrok, je trouve que sa précision a augmenté. C'est pas vous. Il y a des fois où il a raté tunnel de temps en temps. Magneton. C'est bizarre, je crois qu'il a un magne jaune, mais c'est pas possible. De toute façon, s'il en a un, boum, je sors Galoupa et je te. Voilà quoi. Je le prends. Alors, attendez, je vais vérifier quelque chose. Hop là. Voilà, enfin ça continue le combat hein, pour vous. Et voilà, moi je vérifie juste un truc sur mon écran. Je suis même pas pour up quoi. Alors, je vous retrouve devant le champion d'arène. Je vous dis à tout de suite. Voilà, retourne donc voilà, en fait, je le retrouve ici. Parce que là, je vous ai pas montré comment faire pour réactiver. Enfin, j'ai juste à passer ici. Voilà, donc pour arriver de face au champion d'arène, vous avez juste à faire à appuyer le bouton rouge en bas et voilà, vous êtes en face. Bon, maintenant c'est là que les choses importantes commencent. Êtes-vous prêt? Petite sauvegarde imposée. 30 heures, c'est bon, on l'a fait, on a fait les 30 heures. Plus d'une journée que je joue au total. Allez, tu as mes défis de dresseur, viens de me défier de temps en temps, mais les combats sont ennuyés, les lecteurs trop faciles. J'espère bien pour toi. Je me suis préparé pour ce combat. En fait, depuis le début, je me préparais à moitié pour ce combat-là, en fait. C'est cool. Parfait. Ouf. J'aurais la queue de fermée. J'avais peur que c'était super efficace. Pff, voilà. Parfait. Heureusement qu'il est plus rapide que moi d'un côté, comme ça, ça me permet de commencer à l'amorcer. Ça devrait suffire normalement. Je veux dire que je stresse un peu là, il y a le cœur qui. Surtout en plus que la dernière arène, je l'ai craqué. Luxray, changer de Pokémon, Torterra. Son séisme normalement est plus puissant. D'ailleurs je vais le vérifier en bas. Vous le verrez pas. Hein. Je vais vérifier d'un Pokémon pour voir la puissance, la différence de puissance. Alors attendez. Alors résume dans ses capacités, pardon. Alors, séisme. Pouvoir 100, précision 100. Ok. Ensuite, Karchakrok. C'est le pouvoir qui m'intéresse. Pouvoir 80, c'est bien ce que je pensais. Si, c'est quand même plus simple. Mais bon, voilà, hein. Vous avez pu voir que tunnel. Hein. Oh punaise, j'ai oublié qu'il a des crocs. Comme il a presque, il a toutes les attaques rouges, je crois. Ne
J'ai une boule. Clac, 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 clac. J'ai eu un coup de stress, un truc de dingue. Mais bon, heureusement, mes attaques type sol sont extrêmement puissantes. Du coup, j'ai eu que ça. J'ai Lucario qui pourra. Je le tente. J'ai peur qu'il me lance quelque chose. J'ai pas envie qu'il me lance. Quoi? Tu veux pas me dire quand même que son. Ouf. Ça fait mal ça. De toute façon, je suis sûr de mourir. Ouais, il me critique même en plus. En plus, il fait plaisir à me critiquer. Allez, Karchak, ok. Ah, les choses, c'est pas son plagiat, c'est-à-dire que c'était son Luxray. Ouais, mais j'ai pris trop d'avance en fait. Enfin, trop d'avance. J'ai un niveau, même niveau même. J'en ai que deux qui sont un niveau super. Ouh, je suis plus rapide que toi, je suis plus rapide que toi. Et je vais te tuer. Et ouais, parce que j'en ai tué des niveaux 48 même avec tunnel. Yes. Ça suffit largement. Allez, allez, go, 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 go. Ah merde, en fait, il a plus d'Octiri. Je confonds avec Perle encore. C'est un handicap qu'il a. Voilà. Il a bien niveau 50. Il est sérieux? C'est-à-dire qu'il a que des attaques de type éclair, oui. Yes, the baby. Non, je pense pas que je vais le tuer. J'ai des boules, sérieusement. En plus, il utilise vive attaque. Non, ça fait bizarre pour un hélicable. Enfin bon, ça complète mon Pokédex. Yes, victoire, totale victoire parfaite. Même si j'ai eu un Pokémon de KO, c'est une victoire parfaite pour moi. Pour la dernière arène, normalement, qui est vraiment plus compliquée, c'est une victoire totale. J'ai eu des frissons pendant le combat, c'était un très beau combat. Ouh, 6000 Pokédollars. Je ne m'étais pas autant amusé depuis. Ah, je ne me souviens pas. Je suis curieux et pressé de te voir jusqu'à quel sommet toi et tes Pokémon allaient grimper. Voici ton 8ème badge, tu l'as bien mérité. Et voilà le badge phare de Tanguy. 19h pile en plus, c'est parfait. Ça fait que 23 minutes à peu près de vidéo. 23 minutes. Rayon chargé, hein, l'attaque qu'il y a eu. Je lisais pas, désolé. Allez, on rentre à la maison maintenant. Merci champion. Très beau combat. Ah, je suis bien content. J'aurais bien aimé que mon Torterra tienne le coup, mais bon, ouais. Son Luxray m'a bien amoché. D'ailleurs, j'ai eu peur sur le coup, hein, quand j'ai vu Luxray. Tout ce qu'il m'a enlevé, je me suis dit, ouais, je suis fini. Mais c'est bon. Ok. Ok, le badge phare en main. Eh ben moi je dis, Musteflotte, viens en moi. Viens avec moi.